conformément à l'ordre du Seigneur dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4 et verset 8, qui dit ceci, je cite, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc ça, c'est l'esprit d'abord qui nous anime pour tout le pays, toute la nation, à la veille de Noël, aussi bien que du Nouvel An. Maintenant, nos voeux pour Noël et le Nouvel An, à l'occasion de Noël 2022 et du Nouvel An 2023, l'AGEMPEM et tous ses membres souhaitent un joyeux Noël 2022, une bonne année 2023 et heureuse et joyeuse pour tous les Maliens, un Mali apaisé et prospère, une transition réussie, un Mali Koura à refonder dans l'esprit des citoyens selon les vœux les plus chers des cœurs de chacun. Que Dieu bénisse le Mali, vive le Mali, et voilà ce que nous souhaitons de tout notre cœur pour le Mali et pour tous.